Hello les beatmakers, comment nous y est? C'est Kenny A Beats. Nous rentrons à la Kawa avec une nouvelle vidéo assez importante. Et je dis à nous allons parler de comment préparer une session de mixage. Vous voyez ce thème sur Baou ou pourquoi mixer. Donc, de toute façon, vous allez gagner pour tendre, pour bien tendre, pour prendre son tendre chaque élément une par une, de manière à ce que vous capable faire ça relais préparation de session. Parce que dans la préparation de session, vous capable faire une préparation de session en 5 étapes aussi rapides. Première étape, la côte au pour renommer chaque piste sinon il est trop long. Parce que les ingénieurs ou qu'on a travaillé en collaboration avec lui, il doit faire un projet et puis il n'a pas changé de nom, son yo. Donc il va demander un petit temps pour tendre des projets d'abord. Pas quand mixer un projet, son pour qu'on prend temps pour tendre chaque élément. Sinon, on va fausser. Parce que ça, quand on arrive des fois, il y a des kicks qui entrent dans le snare. Dans snare, entrer dans kick. Donc, il va demander pour un petit temps pour capable de tendre chaque élément. Ça. Donc, avant de nous déraper directement sur FL Studio 12, FL Studio 20, pardon. Donc, m'invite pour abonner avec Chanel là. Si vous pouvez faire ça, et si vous avez déjà fait ça, nous encourageons pour toujours partager, commenter, liker vidéo nous. Et vous même qui pouvez abonner, abonnez-vous pour ne pas rater une vidéo n'a plagié après. Activez la cloche de notification. Merci parce que vous avez fait ça. Nous allons directement sur FL Studio 20. Nous allons travailler avec un stems que nous téléchargé sur net là. Donc, c'est un site qui a possibilité pour travailler des stems. Et comme pratique, même qui c'est étudiant en mixage, je salue tout étudiant Flash Tech. Je salue tout séminariste Flash Tech. C'est Kenny A Beats. Bon, ces vidéos ça utile nous, la intéressant pour nous. Je travaille là quand même, c'est ça qui fait nous attendre quelques petits bruits des fois, d'accord? Pas inquiétez nous, c'est ça m'a fait qui est bon pour nous apprendre. Nous pouvons faire le studio 20. Et puis, nous allons draguer toute piste qui est en wave, bien sûr, pour nous mettre sous playlist là. Donc, nous mettons sous playlist là d'abord. Nous fermons. Parfait, nous minimiser FL Studio. Ça, c'est projet Stems. Là. Donc, il y a la donne à peu près 15 tracks. 15 tracks. Bon, ça arrivait que tous les 15, ils ont bien arrangé. Donc, les mlagues, ils ont droit à tomber normal. Donc, on nous drague. Mettez l'ina FL Studio 20. Et puis, nous lagues sous playlist. Là. Là, on a pour le travail. Le travail. L'upload. Très bien. Donc, il est tombé dégagé. Donc, c'est comme ça même notre besoin. On va faire CTRL A pour avancer la pointe directement. Très bien. Donc, ça c'est exactement projet A. Exactement projet A. Qui pas synchronisé avec tempo. Donc bien sûr, les ingénieurs travaillent de concert avant, ils t'a supposé voir un mémo comme ça. Leur entrée la donne pour ta ouais et information sur projet. Donc on voit que l'idim folder voit bah 15 waves qui en format 24 bits et la travaille avec un sample rate de 44.100 kHz. OK? Et puis il dit tempo c'est 70 BPM. Donc, si ingénieur savoué, toute information sa baou, son ingénieur qui, c'est un monde qui est vraiment sage et qui professionnel en même temps. Ok? Parce que gen moun qui pa voye info sa yo, peut-être soit par ignorance, ou du moins parce que yo méchant tout. Donc, gen tout ça dans le secteur, pas un problème. Donc, en nous avancer, nous pral fait première étape là dans préparation de session qui s'est renommé chaque pisio puis coûte mais je l'ai regardé là nous voyons que tout pisio pas vraiment yo vraiment lisible yo pas gain trop bail que nous ca changer kick moi les kick. OK, donc ça n'a fait n'a changé aux places. Donc soit FL20 même là effacer ça fait clic droit pas gain rien cap déranger. Donc on a aucun aller sous côté là ou draguer puis mettre kick avant. C'est kick d'abord.
kick. Donc on snare. Après snare, on a veillé. On a regardé nous, nous avons 4 tomes. Nous avons overhead. Donc on a pris tome 1. Tome 2. Tome 2. Tome 3. Tome 4. Ok. Et puis, Kuna nous prend overhead. Boom. Kuna nous prend les Avini avec ça les basses là. Après batterie, directement nous une jeune basse. Ok. Pour Kuna là, on a fait ça relais et assemblage là. Parce que non, yo, yo get a fin normal, yo pas long. Peut-être overhead là, m'dégain va changer. M'dégain va faire clic droit sur lui, rename. D'après les li, OH. Et m'fini. OH. Ok, overhead. Très simple. Snare là, tout m'dégain va changer lui. Name ni, m'relé li, SNR. Ok, kick, normal. Et tirer le numéro devant eux. Et si nous tout mettez dessin pour eux tout, ça pas un problème. On a baillé tout en seule couleur. On a changé icône, très bien. Et puis couleur. Tom. Tom, bah vraiment ça m'a utilisé comme Tom là. Ok, on prend ça comme Tom. Changer. Tom 2. Couleur. Prends le temps pour faire ça parce que c'est important. Ah, putain, des machines viennent pas passer. Ah. Ok, parce que notre travail, là, quand même. Ok, couleur. Et puis, on a bien. Overhead là. Qui c'est ensemble batterie. Ok. Good. Et puis, nous avons basse. Image pour basse. Allons l'autre couleur les mêmes, la couleur mauve par exemple. Ok, on va avancer. Donc on va changer place de Vicuña. Snare. Et over d'avant banet. Place. Après, nous allons gagner ça avec les guitares. Nous avons acoustic guitare 1. Acoustique guitare 2. Ça n'a fait, nous renommons les, nous appelons le picout assez, ou bien nous dit GTR acoustique. Un ballon l'autre couleur lui-même, la couleur jaune et puis guitare. GTR acoustique. Couleur. On a pris les ça deux parce que gagne une déjà. Ok. Good. Et nous gagnons électrique guitare 1. Musique ça va gagner puis clavier. Bien sûr. Donc au lieu de électrique guitare, on a pris les picout. Guitare électrique. Là-bas, en couleur qui a plus, beaucoup plus près, mais qui pas même. GTR, Elect.
Enter. Et puis Enter. Donc là, nous gagnons deux guitares électriques. Attention, mettez deux pour ça. Mettez un pour première. Très simple. Guitare 1. Guitare. Et puis nous gagnons lead vocal là. Mais avant de mettre lead vocal là, nous mettons l'an dernier. Juste quitter back les deux. Ok, donc on a le backing box, après le back left avec voyons seule couleur. Ok, voix. Voix, c'est exactement au micro, notre cajon pour nous mettre sur folie. Micro, microphone. Ok. Back left. Back right. Et puis en dernier lieu, nous avons lead là. Nous avons mis la banette. Lead Vox. On va les mettre en couleur qui est pi bleu. Donc là, nous sommes censés finir. Nous sommes censés finir avec deuxième partie, hein, ni première partie. Hein. Nous renommer correctement, nous by couleur, nous assembler. Nous allons passer dans la troisième phase, préparation de session, hein, qui s'allie. C'est créer exactement des groupes. Okay? Faire des bus groupes en fonction de vos catégories. Donc, nous avons une batterie, nous allons le faire. Groupe batterie, ok. Donc déjà, comment pour me capable de voir ça sur mixeur? On va aller exactement sous channel rack là, côté tout rangé là. Moi activer tout ensemble. Fait clic sur une, fait clic encore, et puis me quitter le aller sous mixeur. Moi choisis insert 1, fait clic droit, m'aller sous channel routing, me prend route select channel starting from this track. Shift Control L. C'est raccourci. Donc, je vais me cliquer. Kounia, il a monté avec tout nom, tout bagay. Donc, voilà. La Kounia, il y a un projet qui exactement sous mixeur. Chaque piste sous un channel sous mixeur. Donc, ok? Donc, ça me va pour nous faire la Kounia. Nous va le pour nous capable. Créer bus groupe là parce que nous avons un renommé, nous avons couleur, nous assembler. Donc nous allons faire ça avec les Kounia bus groupe. Comment vous créez un bus groupe sur FL Studio? C'est très facile. Très facile. Vous sélectionnez tout Pissio. Kembe Control. Et puis vous allez choisir n'importe channel qui vide. On a commencé à partir de 20. Ok, à partir de 20. Bon oui, à partir de 20. Fait clic droit, nous dit route to this track only. Pap. Là, tout ça yo aller directement sous lit directement. Donc piste 20, ou kembe le renommer, rename, ou dit bus drum. Nous connaissons bus drum. Drum nan signifie batterie. N'a pas la même couleur pour nous capable connaître que c'est à drum dans notre travail. Donc nous ballons icône batterie. Enter. Donc tout kick, tout snare, tout pareil net yo route to bus. Ça veut dire si batterie a joué, me veut jouer solo, m'a panique solo bus drum là. Si me descend volume bus drum là,
m'attendais à rien qu'à jouer la batterie. Donc c'est comme ça. Puisque m'a gagné deux basses, n'a quitté basse là comme ça. Nous gagnons quatre guitares. Donc n'a créé un bus pour guitare. Contrôle, Kimbel, clic gauche pour ou draguer. Mais on dit ou aller sur l'autre channel qui vide pour faire clic droit en bas là, clic droit et pour dire route to this track only. Pap. C'est simple comme bonjour. Et puis on renommé rapidement bus ça. Ou elle est bus GTR qui c'est bus guitare. Et puis ballon couleur qui même genre. Puis guitare. Là nous gagnons deux bus groupe. Et puis pour voir n'a bail deux bakyo n'ayon bus vocal n'a prénommé bus vocal on bal même couleur OK n'a refait control et puis aller en bas clic droit route to this track only donc tous les deux voix ça yo nan yon OK donc l'idée là nous ka voye l'ambus vocal là tout sans problème route to this track only donc on ali seulement dans bus ça et bus ça lui même il pour retourner dans max dans master de sortie donc là nous gagne trois bus parce que nous gagne une batterie guitare bag. Qu'on a noté parler de bus effet. C'est même genre pour créer dans FL Studio 20 bus effet. D'ailleurs, il y a assez de pistes pour capable faire ça. Donc, on a choisi commencer à partir de Donc, premier bus nous va le créer, on a créé reverb. Reverb pour batterie. Donc, nous connaissons les ces batteries, nous avons gagné ça en room. Nous avons le room. Ça, c'est pour batterie. Room verb. OK? Pour batterie. Pas besoin de mettre icône. Room verb. On a besoin de tout. Après, on room, on connaît ma besoin plate. Plate verb. Donc, on a room, on a plate, et puis on a besoin de s'arrêler de delay. Delay capable d'appliquer sous voix de. OK? Et puis wap, autant de fois mixer tout qu'à venir créer après. Donc delay. On dit d'arrêter ça delay vox pour vocal. OK, nous gain delay, nous gain verb. Donc là, mais comment yo créer et auxiliaire ou bien bus pour effet? Et puis qu'on a nous pral faire ça relé qu'on a Qmix là. Qmix ça c'est ensemble tout ça yo, tout drums yo. On va choisir insert 30 là pour nous relé le Qmix. La ballon l'autre couleur tout à fait différent parce que lui-même il c'est une sorte de master pour tout groupe yo. D'accord? Ok, by ça rouge net Qmix enter le Qmix ça n'a voué toute bagaille net handle donc tout groupe net donc on commence à partir de bus groupe là jusqu'à bus vocal là
Et puis il nous dit. Pour tout aller dans Qmix là. Boom. Donc Konya, nous gagnons overhead qui allait dans bus yo. Chaque instrument ça va aller dans bus yo et n'a voyé basse là tout parce que il était pour compte lui. OK. Auto distract. Très bien. Donc tout ça est sorti sous master, il est déconnecté à master et aller dans un bus et puis bus yo même il aller directement nan Qmix là qui pral voye nan master. C'est très simple comme bonjour. Mais comment capable préparer une session sous FL Studio, session de mixage. Donc nous a nous attendre projet. Gardez on va oublier régler tempo. Donc il était dit tempo c'est 70, m'a retourner sous différent là, oui, tempo 70. Donc c'est simple que m'a cliquer là, me choisi tempo mettez li à 70. Très bien. Donc on a sim lag là avec métronome là, m'a regarder. OK. Ça qu'on arrive des fois nous ouais que il va commencer dans temps, des fois nous doit quitter quatre temps passé. 1 2 3 et 4. OK, jusqu'à ce que nous joue exactement dans temps pour tomber. Donc on va avancer ça là et puis n'a regarder pour nous qui ça fait. 1 2 3 et 4. Senti gain de lenteur. Donc ce bail qui ca régler. Ce bail qui ca régler aussi rapide que possible. Donc si nous sélectionner tout ça là. Et puis nous garder pour nous petit avancement qui gagne depuis dans tech qu'on gain petit problème. Donc mais après ça ce bail qui ca résoudre. Depuis au bon tempo c'est que c'est tempo allié. OK? C'est tempo allié. Il suffit que qu'on ait géré ça bien. Nous on doit faire ça avancer. Si nous trouvons l'antigène trop lent, okay, on fait le feedback, alt. Thank you.
seems so real. And tell me, what is it like to dance in the rain under pale moonlight until it stars from the skies that fall from your eyes? I'm getting wrapped up. Et puis, c'est comme ça que j'ai préparé une session de mixage. Merci parce que tu as regardé la vidéo. Avant de commencer à mixer, tu as connu pour baisser chaque élément. Donc, clic, contrôle, clic gauche, ou draguer tout élément, ou quitter une marge. On dit que nous quittons un air doom de 70. Ok, 70. Et puis, tout va en forme. Arrivé dans niveau 0 dB master, c'est simple comme bonjour. Merci parce que tu as suivi, merci parce que tu as partagé, liké Kenny A. Vraiment, nous laissons.